aujourd'hui, samedi, nous sommes sur le site de Duval, à Petit Canal, pour la manifestation Livre en Babois. Livre en Babois, c'est une manifestation qui a pour objectif d'amener le livre au plus près de la population. Et l'organisation de Livre en Babois tombe à pic puisqu'elle se situe en pleine période de partir en livre, qui est dans le même esprit. Le département s'est donc volontiers associé à la manifestation Livre en Babois. C'est pour moi un énorme privilège de participer à ce genre d'événement littéraire et l'un des plus grands lancés en Guadeloupe. C'est magnifique, c'est une très belle initiative et j'ai été vraiment ravie d'être invitée à participer à cet événement. Et la journée d'aujourd'hui, le samedi, est une journée ouverte à tout public. Et nous sommes heureux que les auteurs aient répondu et nous attendons que le public lui-même réponde aussi. Je suis venue avec mes tantes à l'exposition de Duval. Et je suis déjà venue plusieurs fois. Je trouve que c'est bien. J'ai visité quelques temps, j'ai vu Nègre Marron. Je ne suis pas encore arrivée jusqu'à Jazor, mais j'ai commencé à faire le tour. Et avec des auteurs qui font des dédicaces en plus, non, je trouve que c'est excellent. Très bonne idée. C'est extraordinaire parce que je pense que nous, auteurs, on fait un travail silencieux dans l'écriture. Mais l'intérêt du travail, c'est que les gens, le public, ils prennent connaissance. Et là, ce genre d'événement, c'est une des occasions plus nobles. De rencontrer nous auteurs et de pouvoir partager, de pouvoir rencontrer aussi ce public. Et les gens sont venus, ils sont venus de partout pour entendre ce que les écrivains ont à dire, pour échanger avec eux. Il y a aussi des stands, d'éditeurs de Guadeloupe qui proposent une production littéraire et on se rend compte à quel point notre territoire produit. Pour des choses dans tous les domaines. C'est avec bonheur que je suis ici pour marquer l'engagement de la collectivité pour la lecture publique. Le département accompagne le développement de la lecture publique à travers des actions de cette nature, bien sûr à travers le soutien qu'il apporte aux bibliothèques et aux médiathèques communales, mais aussi pour toute initiative portée par le secteur associatif qui vise à proposer des manifestations à l'image de celle-ci, qui rassemble des auteurs, le public et des éditeurs, en fait tous les acteurs de la chaîne du livre pour valoriser l'écrit. Voilà.